Non mais tu te rends pas compte, ça fait 6 mois que je suis célibataire. Vraiment, je n'en peux plus. Mais... t'as vraiment plus de contact avec Jason? Mon ex Dijon, bien sûr que si. Tu sais, ça fait 1 an qu'on n'est plus ensemble. Il est venu chez moi, hier, et m'a dit quoi? Ouais, j'ai laissé mes caleçons chez toi, tu sais, un caleçon vert militaire. Mais tu te fous de moi. Donc, on est rentré dans ma maison, et on est allé chercher le caleçon partout. Et tu sais quoi? On n'a pas retrouvé. Et je suis sûre que c'était juste un prétexte. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de me gérer, il a essayé de me charro. Mais il a une nouvelle copine depuis 6 mois. Et il voulait la tromper avec moi. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je devrais la prévenir? Attends, la meuf? Mais non, la préviens pas. C'est justement à cause d'elle que vous avez rompu. C'est bon, hein. Laisse-la dans le caca, c'est pas grave. Tu sais quoi? En fait, t'as raison. Autant je suis pour le girl power, mais là, franchement, elle a pas pensé une seule seconde au girl power quand elle a piqué mon mec. En tout cas, moi je suis trop jalouse de ton couple à toi. Parce que ça fait combien? Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble? Depuis le lycée? Et vous êtes toujours ensemble? Et vous avez un projet bébé en route? Et vous allez acheter une maison l'année prochaine? Je suis trop jalouse. Et moi je vais finir une vieille fille, je vais finir célibataire toute ma vie. Tu dis vraiment n'importe quoi. Je suis sûre que tu vas tomber sur un mec comme ça. Vas-y, tu veux pas sortir en boîte ce week-end? Que je sorte avec qui en boîte? Certainement pas toi, vu que tu ne sors plus en boîte depuis que t'es avec ton mec et que t'es sur le point de te marier. Ouais, t'as raison. Et en plus, comme je suis un peu ta sale pote, je comprends. Mais il n'y a pas que dans les boîtes de nuit que tu peux rencontrer. T'as déjà essayé les sites en ligne. Je crois qu'il y a une application sur téléphone qui s'appelle Tinder, là. T'as déjà essayé ou pas? Ouais, j'ai déjà essayé. Et que des gros pervers. Non, merci. Meuf, t'as remarqué le BG qui vient de rentrer? Quoi? Un BG? Où ça? Ah ouais, juste derrière moi, là, ouais. Oh, mais attends, je rêve, il est en train de regarder vers nous. Oh, il est en train de regarder vers nous. Ouais, il est en train de regarder vers là, donc t'attends quoi? Mais va le voir. T'es folle? Non mais, enfin, je veux dire, moi j'ai jamais accosté un mec. Et alors, il faut essayer dans la vie. Ouais, ce serait toujours les mecs qui iraient vers les filles. Non mais c'est mort, en plus il a l'air grave ténébreux, regarde à quoi il ressemble. Il a des tatouages partout. Oh! Et en plus il a des bleus et tout, franchement c'est un bagarreur. Ça c'est le genre de mec je vais rester avec pendant 2 jours, même s'il accepte d'être avec moi. Et puis après il va me quitter dès qu'il aura eu ce qu'il veut. Et alors? Enfin, je veux dire, même si vous passez 2 jours ensemble, moi, tu t'amuseras de ça avec lui. Ouais, non, je suis pas trop sûre, non. Salut les filles. Comme vous êtes pas vraiment discrètes et que j'entends toute votre conversation depuis là-haut, je me suis dit que j'allais venir vous voir. Apparemment, t'es célibataire, c'est ça? Oui, et je suis vraiment désolée si tu as entendu notre conversation. Franchement, on a l'air de quoi là maintenant? Je suis vraiment désolée, on arrête de parler de toi, d'accord? Non mais ça me dérange pas du tout. D'ailleurs, le café ici est vraiment pourri. Tu veux faire un tour en moto? C'est gentil, mais tu vois, je suis avec ma copine et je veux pas la laisser toute seule, hein. Non mais meuf, arrête, c'est bon, tu peux y aller, t'inquiète. Moi de toute façon, j'avais quelque chose à faire. Oh, j'ai reçu un message. Y a mon copain qui veut que je rentre là, donc faut que j'y aille. Mais t'as même pas sorti ton téléphone. Si, regarde, il est là. Oh, chérie. Ouais, t'inquiète, j'arrive, à tout de suite. Bah écoute, ouais, ça me vient. Allez, viens. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour mon petit déjeuner? C'est qui sonne à cette heure-ci? Il est encore tôt. Ah, mais c'est Valentina. Ouais, vas-y, rentre. Je suis en train de me faire le petit déj. Viens, on va manger ensemble. Mais elles sont méga trop bonnes, tes gaufres. C'est un truc de fou.
Ouais, je sais, ouais. C'est moi qui l'ai fait, tu sais, avec du bon lait et tout. Mais du coup, en fait, pourquoi t'es venue comme ça le matin? Normalement, tu viens jamais à cette heure-ci. Ben, tu sais, comme hier soir, tu me répondais plus, je me suis inquiétée pour toi. Je me suis dit, ouais, en fait, ça se fait, t'es partie avec un kidnappeur complètement taré. Et puis, tu veux savoir du coup comment que ça s'est passé? Écoute, je sais pas si je peux vraiment t'en parler, puisque, comment te dire que, ben, on a passé la nuit ensemble. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que je te répondais pas, parce que j'étais occupée à autre chose, si tu vois ce que je veux dire. D'accord, mais t'aurais quand même pu prévenir ta meilleure amie que tout s'est très bien passé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes ensemble? Oh, ça m'étonnerait. Je pense plutôt qu'il était là pour une seule chose. Il en a profité. Bon, je t'avoue, j'en ai profité aussi. Il a un corps de malade. Laisse tomber les tablettes de chocolat. Mais je pense que, tu vois, il me rappellera plus. Tu sais qu'il a même pas pris mon numéro de téléphone et il s'est barré ce matin pendant que je dormais. C'est quoi, tu sais, ce genre de type-là, quoi. Ouais, je vois. Mais t'inquiète pas. Je suis sûre que tu vas trouver quelqu'un de bien. En attendant, si ça t'a permis de t'amuser et que ça a été cool... Pas de problème. Mais fais attention quand même, et la prochaine fois, réponds quand même à mes messages, parce que moi, ça m'a fait ultra peur. T'as prévu quoi aujourd'hui, en fait? Ah, mais moi, je vais au boulot après. Et c'est pas parce qu'on est samedi et que toi, t'es en week-end que moi, je le suis, hein. Moi, je vais travailler. Donc, j'ai pas ma journée comme toi, madame. Ouais, c'est pas cool. Aujourd'hui, j'allais faire du shopping et j'ai pensé grave à toi. Mais... Vraiment, des fois, j'ai envie de te tuer. Comment tu me parles comme ça? Tu me fous la haine, hein. Enfin, la journée est terminée. Le dernier vol est parti. Je vais pouvoir rentrer à la maison. Ça fait du bien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui partent en vacances, hein, cette année, je trouve, quand même. Je sais pas si c'est à cause du Covid ou quoi. Les gens, ils ont encore peur. Mais moi, tant mieux. Ça me fait moins de travail, quand même, hein, parce que c'était quand même du boulot avant. Je vais rentrer maintenant. Fait plaisir, un petit peu de repos. En plus, j'ai mon dimanche, donc je vais pouvoir me reposer. Et ça, c'est génial. Je suis fatiguée. Oh, je regarde même plus où comment que je roule. Mais c'est le mec d'hier soir, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait de là? Salut. Ah ben, enfin, t'es là. Oui, j'étais au travail, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne comprends pas. Ça se voit pas, j'étais en train de t'attendre. Ouais, mais pourquoi tu m'attendais? Comme tu dormais ce matin, tu ronflais tellement fort que je voulais pas te réveiller en partant, mais... Enfin... Je veux dire, tu m'as même pas laissé ton numéro, rien, donc... Je suis revenu, quoi. Attends, tu veux mon numéro? Tu veux qu'on se revoie? C'est quoi ton délire, en fait? T'es ce genre de meuf-là? Moi, je pensais que tu voulais quelque chose de sérieux. Mais bien sûr que je veux quelque chose de sérieux, j'attends que ça, mais justement, je pensais que toi, t'étais ce genre de mec-là. Je suis un petit peu déçu, là, tu me prends pour qui? Pour un mec facile ou quoi? C'est pas du tout mon cas. Je suis vraiment désolée, je pense qu'on est parti sur de mauvaises bases là, mais on va repartir sur de bonnes bases. Tu veux venir boire un café? Ouais, je veux bien un café, ouais. Ok, viens. Du coup, tu fais quoi dans la vie? Je suis dans l'import-export, on va dire. D'accord, c'est assez vague, hein, on va dire, comme domaine. Ouais, mais je préfère qu'on parle de toi. Du coup, comme métier, j'ai l'impression que tu es hôtesse de l'air. Ouais, c'est ça, je suis hôtesse de l'air à l'aéroport de Brookhaven. Ah ouais, mais c'est trop cool, mais ça veut dire que des fois, t'es pas chez toi. Ouais, c'est vrai que des fois, je pars en voyage... je prends l'avion pendant quelques jours, le temps de faire un aller-retour, quoi. Ah ouais, ça, c'est un peu gênant, parce que moi, quand j'ai une copine, j'aime bien l'avoir toujours auprès de moi. Vu comme ça, c'est mignon ce que tu viens de dire, quand même. Je pensais que t'étais un peu un dur à cuire, mais en fait, intérieurement, t'as un petit cœur tout mou. Arrête, dis pas ça, j'aime pas.
Oh là là, en plus t'es timide. Arrête ça. Meuf, je comprends vraiment pas pourquoi tu fais cette tête là. T'as un copain, il est super ébloui et ça fait des mois que vous êtes ensemble, tout se passe bien. Pourquoi tu fais cette tête? Non mais oui, je suis d'accord, ça se passe ultra bien et tout, mais il y a quand même des trucs, je comprends pas en fait. Tu veux dire quoi? Tu comprends pas quoi? Bah, il revient souvent, il a des bleus et tout, il gagne beaucoup d'argent. Et je sais pas comment, il me dit qu'il est dans l'import-export, mais il veut me donner zéro détail. En plus des bleus, et des fois il a des coupures sur le visage et tout, je comprends pas, on a l'impression qu'il se bagarre tous les jours. Et je sais pas, franchement j'ai un mauvais pressentiment. C'est vrai que c'est un peu bizarre ça, mais bon, de toute façon là, on part en week-end, on va passer un super moment dans un beau chalet, ça va être génial. J'avoue que j'avais besoin un petit peu de prendre de l'air là parce que mon travail en ce moment c'est ultra tendu. J'ai mon chef, il arrête pas d'être sur mon dos, je suis au bout de ma vie. Mais ça vraiment, prendre du bon temps là comme ça avec toi au chalet, en plus j'ai entendu qu'il y avait un jacuzzi et tout, ça va être génial. J'ai une idée, viens, on se prend en selfie. On se prend en selfie toutes les deux, comme ça on va pouvoir, je vais pouvoir mettre de belles photos sur Instagram. Cheese. T'as vraiment cru qu'on allait jamais te choper? Laissez-moi tranquille. Si vous êtes pas foutu d'avoir un business qui dépasse le mien, ce n'est pas mon problème. Moi, je vous ai rien demandé. Tu n'avais qu'à pas quitter le navire. Tu travaillais pour nous à la base, tu te rappelles? Et tu retournes ta veste comme ça? Ah. Non, on va pas te laisser partir comme ça. Tu n'avais qu'à me tuer et qu'on en finisse. Qu'est-ce que t'attends pour tirer ta balle? Quoi? Mais ce serait bien trop simple. Pourquoi je te tuerais si je peux détruire ta vie? Je ne peux pas détruire ma vie, je n'ai pas de famille, je n'ai personne. Ah bon? C'est pas ce que mes gars m'ont dit. La petite blondinette là, elle est très jolie. Ça fait combien de temps? Un mois? Deux mois? Je m'en fous d'elle. Vous pouvez la buter? Je m'en moque. C'était juste un passe-temps, c'est tout. Un passe-temps. T'es sûr? Attends. Elle est où d'ailleurs? Ah, je sais. Elle part en week-end, c'est ça? Elle poste tout sur Instagram. Je sais exactement où elle est et quand. Sur ses stories. Eh ben, tu sais quoi? Si apparemment tu t'en moques d'elle, y a pas de problème. Je vais m'en occuper et je vais ramener sa tête. Reste ici. Je reviens. Non, tu vas pas vraiment faire ça. Reviens ici. Reviens là. T'avais raison, c'est trop génial ici. Ah non, mais faut que tu m'écoutes plus souvent, hein. Ça c'est sûr, ça s'est déjà démontré par le passé et ça continue dans le temps. Faut toujours m'écouter, moi. Je suis pas ta meilleure amie pour rien. Ah, c'est génial, déconnecté comme ça dans la nature. Il fait bon en plus, avec le petit feu comme ça, manquerait plus qu'on se raconte des histoires d'horreur. Ah non, les histoires d'horreur, c'est de mort. Moi, j'ai trop peur, ça me fait trop flipper. Et tu te manquerais plus qu'il y en ait l'une de nous deux qui mette une torche en dessous de son menton, là, pour se faire peur. Ah non, merci, hein. Bon, par contre, j'ai bu un petit peu trop de boisson et j'ai vraiment très envie de faire pipi. Ben, vas-y, t'inquiète, je t'attends ici. Je surveille les steaks. Ils vont pas cramer. Ne t'inquiète pas. Ouais, y a intérêt parce que, hein, moi je mets pas un steak cramé dans mon pain. Hein. Je le dis tout de suite, hein. Je reviens. Oh, cet endroit est trop magnifique. Moi, je suis pas venue ici plus tôt. Enfin, la fameuse Lia, tu étais bien cachée dans cette forêt. Mais vous êtes qui? Mais vous avez une arme? Mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez notre argent, on n'en a pas. On est juste venu ici pour camper, c'est tout. On a juste de la boue, si vous voulez, prenez nos steaks. Mais c'est pas tes steaks qui m'intéressent, ma jolie. Tu vois, un petit peu plus loin, il y a ma voiture de garée. Tu vas bien me suivre gentiment avant que ta copine ne sorte, parce que sinon, je vais devoir l'embarquer avec nous. Et sans crier, parce que sinon, elle aussi, elle va morfler. Ok, c'est bon, je vous suis. Tant que vous faites pas de mal à ma meilleure amie, je ferai tout ce que vous me demandez, d'accord? Ah, ça fait du bien, quand même. Mais, elle est passée où? Wesh,
tu vas faire exactement ce que je te dis. Tu vas conduire. J'ai mon arme pointée sur ta tête. Si tu fais une connerie, je te bute. T'as bien compris? Oui, d'accord. Je vais où? Tu avances. Ok. Je vais où, là? Tu vas tout droit. Tu t'arrêtes pas. Mais c'est Kyle! Sors du véhicule. D'accord, je sors. Bah alors? Je croyais qu'elle t'intéressait pas, cette petite blonde. Kyle, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Laisse-la partir, c'est entre toi et moi. Ah ouais? Je la laisse partir? Comment? Morte ou vivante? Ne joue pas à ça avec moi. Tu sais très bien que je suis meilleur tireur que toi. Attends, tu prendrais le risque de perdre ta copine? Kyle, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il a contre toi? Attends, tu lui as pas dit? Ou tu faisais du petit trafic? Mia, je t'expliquerai tout à l'heure, mais pour le moment, mets ça de côté, d'accord? Ok, mais s'il te plaît, fais quelque chose, j'ai peur. N'a pas à avoir peur, je suis là, ne t'inquiète pas. Ah bon? Pourtant, elle devrait avoir peur, parce que là, tu vois mon flingue, il est sur sa tête. Alors maintenant, tu vas faire quoi? Tu sais quoi? Je t'avais prévenu, je voulais pas en arriver là. Et les personnes qui menacent mes proches, ils méritent tous de finir comme ça. Est-ce qu'il est mort? Écoute Mia, je voulais vraiment pas te mêler à ça, je suis vraiment désolée, mais maintenant il faut que tu partes. Je t'expliquerai un jour, mais je pense que nos vies ne sont pas compatibles. Attends, tu viens de tuer un homme devant moi, et tu veux que je parte comme ça et que je te laisse comme ça ici? Écoute Mia, il y a sûrement des gens qui peuvent passer ici à n'importe quel moment, même si on est en plein milieu de la nuit. Il faut vite que je me débarrasse de ça, et ça, c'est pas ton affaire. Pas mon affaire, tu dis? Tu rigoles ou quoi? Ça fait des mois que je suis avec toi, je sais très bien qu'il se passait des trucs louches. Tu restes avec toi, c'est parce que je t'aime. Non mais Mia, tu n'as pas à faire ça, tu es au courant. Kyle, tu comptes faire quoi là? Discuter pendant qu'on a un homme mort devant nous? Vite, il faut se dépêcher, faut qu'on s'en débarrasse. D'accord. Je m'occupe de le prendre par les jambes, prends-le par les bras. J'ai bien cru que tu reviendrais jamais, mais t'étais passé où? Comme t'étais partie aux toilettes et j'avais eu vraiment une envie pressante en même temps que toi, ben je suis tout simplement allée dans la forêt pour faire pipi et je me suis perdue. Quelle drôle d'histoire, hein. Et le temps que je retourne mon chemin, tu vois, le temps y est passé. Ah ouais, mais t'aurais dû me dire, en plus je suis allée faire vite fait pipi. Non mais t'inquiète, c'est bon, les steaks sont cramés maintenant, c'est pas grave, mais on a des saucisses, non? Des merguez? Ouais, mais attends, c'est quoi, t'as une tache sur ton... ta veste là, c'est du sang ou quoi? Tu t'es blessé? Ah ça, non, t'inquiète pas, c'est juste du sang de sanglier, tu vois, comme je me suis battue avec un sanglier et tout ça. Voilà quoi, mais t'inquiète, il va bien, il est rentré chez lui, y a pas de problème.